Bonjour à tous, ici Arcanet MC, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode numéro 6 sur Stray. On va le faire miauler un petit peu quand même. Ah, il fait l'intro. Nous avons donc accès maintenant aux égouts. Voilà, puisque nous avons donc la lampe à UV, hein, on va appeler ça une lampe à UV, qui est donc le disfluxor. Ou je sais plus comment il s'appelle, parce que oui, je tourne cet épisode que deux jours après, donc c'est pour vous dire, j'ai un petit peu oublié. Mais voilà, donc nous avons accès aux égouts, ce qui fait que maintenant, voilà, on va pouvoir cramer les urks pour pouvoir progresser. Donc c'est parti. Oula, un coup de lag. C'est parce que ça charge. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a observé ici? Rien. Ah bah tiens, il y a Momo. Ok, je vérifie qu'il n'y ait pas de souvenirs, hein. Forcément. Il n'y a rien ici. Hop là. C'est incroyable que tu aies trouvé Doc et obtenu le défluxor. Voilà, c'est ça, le défluxor. Avec ça, on va pouvoir trouver ce Balthazar. Allons-y. Du coup, il va ramer. Ça va, au moins, on n'est pas tout seul. Ah, j'ai tellement toussé moi cette nuit là que j'ai mal à la côte là en bas. C'est violent. Hein. Les égouts. Ah, il est tellement mignon quand il miaule. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as parlé? C'est tellement reposant comme jeu. Par moment, hein, je dis, hein, la plupart du temps c'est reposant, mais par moment c'est pas forcément reposant parce que on doit fuir les urks ou alors les cramer. comment on passe là? Ah, je vais devoir lui ouvrir la porte, c'est ça? Ouais. Observons, hein. Voilà, c'est bon. Ouvre-lui la porte. J'aimais la bouille aussi du petit robot là, le B12 là. Ah, c'est vrai que pour le coup là on est vraiment dans les égouts. Hein. C'est tout visqueux et tout avec la vase et tout. Bah. On va pas tomber là-dedans moi. Bon bah on se balade hein, tranquille hein. On sait pas où on va, mais on y va. Certainement qu'on va là-bas.
Ok, ça marche. Allons-y, allons-y. Oh, il y a des nanoïs là. On a observé, je crois. Des urks. À croire qu'il n'y a plus que ça, hein, finalement, sur cette planète. Des robots et des urks. Et des chats. Y aurait-il des chiens, des oiseaux, des vaches, des chevals, enfin des chevals, des chevaux. Bon, la porte est grippée. Cette vieille machinerie est complètement cassée. Maintenant, je crois qu'on peut l'ouvrir manuellement. Ah, c'est toi qui fais ? Je ne peux pas venir avec toi, mais je continue à chercher une sortie. Quand tu trouveras Balthazar et Clémentine, dis-leur que j'ai fait preuve de courage. Nous voilà tout seuls, là. Alors, à mon avis, ça va pas rigoler, là. C'est dégueulasse. Ok. Pour peu que ces hommes me pètent à la gueule, je sais pas trop, mais... Ça te rappelle des souvenirs, ça, par contre, hein, notre ami le chat, là. Et tu vois, il n'aime pas ça. Je crois qu'ici, il y a des œufs qui vont claquer. Se rapprocher. Ok. On a une porte ici. Avec un truc ici. Ok. Ok, on a ouvert cette porte ici. De toute façon, il nous faut qu'on aille par là. Hein. Ok.
Ok. Oh, c'est quoi ces nanoïs là? Ah, c'est des... Regardez ça, il y a des nanoïs. What the fuck? C'est flippant quand même cet endroit. Je veux pas lire, mais c'est quand même flippant. Ok, nous on préfère cette zone, ok. Hop, alors là, il faut aller où? Peut-être déjà regarder si on peut aller là. Oh, ça m'étonnerait. Ok. Ça fait quoi ça? Ah, il faut que j'aille de l'autre côté maintenant. Ok. Ok. On progresse, hein. Putain, mais c'est quoi ces gros non-œil? C'est violent quoi. Oh, il a surchauffé. Oh, je crois qu'il faut qu'on prenne la fuite. Prenons la fuite.
Mais je vais crever. Je sais pas du tout où est-ce qu'il faut que j'aille, alors j'y vais. Cours avant que la porte se ferme. C'est bon. On a été un héros, on a sauvé notre ami. Ah, il s'est réveillé. Il faisait noir, j'étais seul, c'est comme si j'étais revenu dans le réseau. Mais tu m'as sauvé, merci l'ami. Fournir autant d'énergie a épuisé mon cœur. Le déflexeur est complètement détruit maintenant, on va devoir faire attention. Oh non! Oh non! Ça veut dire qu'à partir de maintenant, va nous falloir nous fuir les... Les Urks. Ok. Un habitant. Bonjour. Baladin, un voyageur venant des égouts. On l'avait pas vu, l'un des vôtres depuis des lustres. C'est toi qui nous a contacté un peu plus tôt, petit extérioriste. Ce Balthazar extérioriste t'attendait. Il est en train de méditer au sommet de notre village. Parfait. La fourmilière. Oh. Cinématique. Cette machine, le scientifique dont j'étais l'assistant en utilisait une comme ça. Il était malade, c'était son dernier espoir. Il est entré dans la machine. C'est quoi une machine à voyager dans le temps? Mais je ne l'ai pas accompagné, il était seul, que faisait-il? Il s'est envoyé dans l'ordinateur et tout a changé. Mais il y a eu un problème lors de l'envoi, il est resté bloqué des centaines d'années. Jusqu'à ce que un petit chat apparaisse. C'est donc ça, c'était moi, le scientifique, c'était moi. J'étais humain. J'ai besoin d'une pause. Ah, ça fait un souvenir en plus, d'accord. Alors, attends voir. Je suis désolé, je... Pas tout de suite, je n'ai pas envie de parler pour l'instant. Ah d'accord. Bon bah d'accord. On va se contenter de monter. Hein. Il veut même pas qu'on se rappelle. Ah putain. On reviendra ici. Qu'ai-je oublié d'autre? Je dois bien avoir des parents, des amis. Que leur est-il arrivé? Je voulais ouvrir la cité, mais il reste-t-il seulement quelqu'un à sauver? Ah, t'as envie de parler ou pas maintenant? Non, toujours pas. Fuck. Par contre... Oh, mais c'est joli ici, de ouf! Bah tiens, ce sera la miniature. Qu'est-ce que c'est? Oh là, blablabla, ok. Eh, tu ignores qu'on interrompt? Pas quelqu'un en pleine séance de méditation.
Transcendantal. Ah, c'est toi, tu étais avec Momo quand on a reçu cet appel. Je suis heureux de faire enfin ta connaissance, petit extérieuriste. Tu connais Momo et Doc ? Alors, tu nous connais aussi, nous les extérioristes. Il me manque. Le souvenir m'apporte la paix. Momo est resté dans les taudis. J'ai entendu dire que tu l'avais aidé à trouver le Doc et Clémentine. Elle est au centre-ville maintenant. Si tu veux toujours voir l'extérieur, c'est elle qui pourra t'y emmener. Apparemment, elle avait une sorte de plan pour quitter la ville. Tiens, prends ça. J'ai écrit son adresse au dos de cette photo. Ok, pour rallier le centre-ville, il monte dans notre petit village. Un être aussi agile que toi, ça ne devrait pas être compliqué. Si tu parviens à atteindre l'extérieur, tu seras le premier. Je te souhaite bien bonne chance. Mais tu n'en as pas besoin, je crois en toi. D'accord. Désolé de m'être éteint tout à l'heure. Ah, ça y est, je suis humain, sans doute le dernier au monde, et regarde ce qui reste de moi. Tant de souvenirs remontent à la surface. Combien en avais-je oublié ? Ah, quelques-uns quand même. Hein. Peut-être qu'en trouvant la Clémentine, on pourrait restaurer ma mémoire et te faire rentrer chez toi en même temps. On peut redescendre pour obtenir d'autres renseignements auprès des compagnons ou poursuivre en direction du centre-ville. Bah, on va se renseigner un petit peu. Pas pressé. D'accord. Bon, déjà. En fait, cette nourriture est horrible, mais c'est tout ce qu'on trouve par ici. Je vais devoir me dévisser le boîtier Fronta si je continue de manger cette saleté. D'accord. On me surnomme le chef conserve. Ma spécialité, c'est le surcyclage des restes. Ok. Plat du jour, ramen J45 avec mon ingrédient secret. D'accord. Oula, je failli tomber. On peut encore monter là. Attends. Quel est l'intérêt pour moi de venir ici en fait ? Attends, on est censé pouvoir monter là-haut. Ah ah, voilà. Salut l'ami, comment vas-tu ? Tu savais que Tante Clémentine nous a appris comment faire pousser des plantes spéciales qui peuvent vivre sans la lumière du soleil ? J'en ai une énorme collection, tu vas la voir, mais il me manque encore certaines couleurs. Il me manque une fleur jaune, une fleur rouge et puis une fleur violette. Ah, si seulement quelqu'un de petit agile pouvait m'aider à les trouver. Ah. Intéressant ça. Pff, je m'ennuie. Tant que Clémentine faisait classe ici, on a appris plein de trucs sympas. D'accord. Alors ici c'est un ascenseur, c'est ça ? Ouais. Donc là on est de retour ici. Le bruit apaise des déchets qui tombent cascade scintillante sans danger. Quel merveilleux ciselé ma poésie. Tiens, écoute. Toi, puissant béton bouclier noir et sombre, seras-tu aussi ma tombe ? Tu trouves ça trop pompeux ? C'est un peu bizarre, mais... Attends voir. Voilà, se rappeler. Cette langue, les robots compagnons l'ont inventée à partir de rien. C'est très impressionnant. Je me souviens que c'est passé, que ça s'est passé quand j'étais dans le réseau. Je ne sais plus quand exactement, mais à un moment, toutes les communications ont commencé à afficher ces symboles à la place. J'étais bloqué dans un ordinateur et seul pour longtemps. Alors j'ai traduit chaque symbole et chaque mot
un par un, jusqu'à être capable de tout comprendre. En tant que je suis sorti et que je comprends leur langue, je suis curieux d'entendre ce qu'ils ont à dire. Yeah. Électrique partout, ok. Oh bien bonjour, nous n'avions pas eu de visiteurs depuis si longtemps. Enfin, ils l'ont accepté, s'ils l'ont accepté ces satanés Zerks, bien sûr. Imagine que l'on puisse contrôler leur puissance, les faire trotter dans une roue, quel gâchis d'énergie. Quand je serai grand, je vais être comme Tante Clémentine. J'aimerais bien aller explorer le monde comme elle, mais les adultes nous interdisent de quitter la fourmilière. Ok. Je sais pas si on a parlé à tout le monde. Salut. Savais-tu qu'il existe plus de 900 nuances de peinture blanche? Ne le répète à personne, mais je suis en train de créer ma propre nuance de peinture. Je vais l'appeler Brun Camelot. D'accord. Statistiquement, j'aurais dû gagner au moins 8 fois. 9536 parties gagnées à 6. Ne répète à personne qu'en réalité, je suis programmé pour gagner à ce jeu. Oh putain. Carrément. Mais elle est dans sa période déconstructive, selon elle. Je suis sûr qu'elle deviendra une grande artiste. Si seulement elle pouvait aller se faire la main ailleurs. Je raffole de l'odeur de la peinture fraîche. Ça me rappelle que... Oh, attends. Je ne sens rien, comme c'est triste. Pff. Et si je vais là-haut et que je fais tomber un pot de peinture, qu'est-ce que ça fait? Ouais. Ouais, bon. Je pensais que ça allait déclencher un événement, mais pas du tout en fait. Ok. Bah, je crois qu'on a parlé à tout le monde du coup. Hein. Alors attendez, on va ouvrir l'inventaire. Et on va regarder ce truc. C'est une photo de Clémentine et de Sbaltazar. Il nous a dit de la trouver, c'est une extérioriste aussi. Il y a aussi plusieurs symboles inscrits au dos de des photos. Ah. Ouais. Est-ce que si je reviens te parler, toi, ça fait quelque chose ? Zbaltazar, t'attendais ? Il est en train de m'imiter au sommet de notre village. Ouais, alors par contre... où est-ce qu'il faut que j'aille, moi, maintenant ? Notre prochaine aventure, on monte au centre-ville. On monte au centre-ville. Ouais. Ah, attends, tu peux grimper ici. Fleur violette. Il en avait besoin. Il faut une violette, une rouge. Là-bas, il y a des rouges. Comment j'y vais? Est-ce que je peux descendre? Attends, il y a peut-être moyen de descendre là quand même, non? Là.
Voilà, nickel. Il y a plusieurs cycles de cela, j'étais un robot groom, mais on m'a reconditionné en chasseur de trésors. Enfin, c'est pas le boulot que tu imagines, ça peut être dur et moche. Comme avec ce bras que je viens de trouver. Pauvre type qui roule en paix. Ah, c'est triste. Il y en a qui appellent ça de la camelote, moi j'appelle ça des trésors. Bon. Alors, on a eu les violettes, les rouges, et maintenant il faut les bleus. Où sont les rouges? Les fleurs rouges? Je vous ai déjà parlé à vous? Quoi, la télé est éteinte, j'entends toujours les parasites, serais-je défectueux? Ils m'ont dit que je ne pouvais pas aller au centre-ville parce que les sentinelles allaient me capturer et que je ne pouvais pas aller dans les égouts parce que les orcs me mangeraient. C'est trop injuste, vraiment pas cool. Je sais toujours pas où il est ce centre-ville, hein, donc ça risque de se compliquer un peu quand même. Attends, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut les bleus là. Je vois pas où sont les fleurs bleues. Grimpe en haut de notre village pour trouver le chemin qui mène au centre-ville. Grimpe en haut de notre village. Mais tu vas me dire que je peux grimper encore plus? Là en bas, il y a les fleurs jaunes. On va chercher les fleurs jaunes. Comment j'y vais? Comment je suis censé aller chercher ces fleurs jaunes? Attendez, parce que ça... Ça me stresse quand même.
par là. Yes! Voilà, on les a toutes. Attends, je remonte. Attends, faut que je remonte. Ok, alors attends. Comme j'ai dit, si seulement quelqu'un pouvait essayer de me trouver une fleur jaune, une fleur rouge et une fleur violette. Oh, il paraît que c'est une fleur rare, merci. Tu pourrais me trouver l'autre? Allez, s'il te plaît. Oh, waouh, c'est trop beau, merci. Tu pourrais me trouver l'autre? Allez, s'il te plaît. J'adore cette couleur, merci l'ami. Tu les as toutes trouvées, merci beaucoup. Tiens, en récompense, prends mon badge. Badge de fleur. C'est super beau avec ça. Allez, fais attention à toi, il y a plus tard, mon ami. Parfait. Bon, bah écoutez, sur ce, les amis, on va se laisser là sur cet épisode numéro 6. Il aurait été un petit peu plus long que prévu parce que je voulais trouver toutes les fleurs et comme je les ai captées, les jaunes, là, juste à la dernière minute, bah, je me suis dit, bah, tu sais quoi, on va redescendre et on va aller chercher et le donner, les trois petites fleurs à notre ami pour obtenir justement ce truc qui certainement être un objet important pour la suite de l'aventure. Hein, donc, on va savoir. Le jeu ne te dit pas si c'est des trucs facultatifs ou obligatoires, tu vois, pour la quête principale. Donc, autant le faire, comme ça, on est tranquille parce que vu qu'on n'a absolument pas d'ATH sur le jeu, à part notre ami le chat. Et les textes, donc bah parce que le chat, de toute façon, c'est pas une attache, mais je veux dire les textes, c'est tout ce qu'on a en fait, on n'a rien d'autre. Donc voilà, bah, c'est tant mieux hein, en même temps pour l'immersion, hein, j'ai envie de te dire. Donc voilà, sur ce, les amis, merci à tous d'avoir regardé cet épisode numéro 6. J'espère qu'il vous aura plu. Pensez, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu avant de partir, ça fera super plaisir. Et puis on se donne rendez-vous très très bientôt pour la suite. C'était Aconite, see you for the next episode. Oh yeah.